Mbote mbote bandeko na ba congolais na pesi bino mbote bisika tu boza na lingito solo la mwa muke bozela na partager na ba groupe mususu pona bandeko na biso bazala na biso ensemble to discuter liwa ya ndeko na biso papa na biso oncle na biso maître Yanni Raphaël Ovungu Oya za juge ya procès ya Vital Kamerhe ya programme ya 100 jours ya chef de l'État vraiment to solo lango parce que lelo biloba lo ba e bandi tellement makasi biloba lo be bandi tellement makasi no bandi konanga ba permettre nga moi muke pona to zwa ba explication claire donc bo partager moi muke na sengi bino bo partager moi muke ouais, vraiment pour tous aller belé bo poser ba question là ba commentaire to répondre ango en tout cas bo partager vraiment partager la vidéo pour na tous en maximum ya batou to discuter parce que eso ça la passe et je peux vous demander que avant même na banda na garder une minute de silence c'est pour na honorer mémoire il y a président juge Raphaël Yanni Ovungu. Vraiment, je garde une minute de silence pour na honorer mémoire naïe. En même temps, bino vous partager, bo inviter bato mususu pour tous aller beleto discuter parce que na linga kité na banda, ça na zo information à famille biologique na Kinshasa pe awa na poto. Yangonde na zo ça la live parce que j'ai des informations suffisantes à vous communiquer bino. Donc partagez s'il vous plaît. Attends ami, attends un groupe, songolo pour partager pour tout discuter. Bah on va coulinga pas contredire, mais on contredire avec bah preuve na bargima parce que on a oloba na opé ça bah preuve na opé ça pe bargima. Donc mambo ya kofinga neza awate bande konanga pour partager même une seule fois dans un groupe ou même sur votre mire ça ferait du bien pour tous aller belé parce que liwa o est frappé biso lelo. Isaka ka famille biologique n'a été, mais toute la République qui attendait. Donc, je garde une minute de silence. Merci à vous. Bon, merci. Merci vraiment, merci. Bande Konangai, question est assez mon corps. Nani abomeli biso, maître. Nani abomeli biso, président juge. Oui, aza ko sambi sa dossier ya 100 jours. Oui, aza ko sambi sa Vital Kamerhe et consort. Wanande, une grosse question. Bato tout bazolinga ba comprendre. Ba congolais tout. Bazan a posa ba yeba vérité a koufi lo lenge nini. Tolanda ki maître juge lundi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc, il y a à peine 3 jours, 72 heures, le maître aza ero na morgue. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Mais Congolais ont posé la vérité. Il y a tout le monde qui a manifesté les kamakas na Kinshasa. Tout le monde qui a vidéo qui a échafauré entre la police et la population. Vraiment, et ça lui passe. C'est toute la République qui est en deuil. Donc, liwa moko boye, mystérieux. Une mort mystérieuse. Donc, c'est vraiment, ça fait trop, trop mal au cœur. Donc, vérité, rien que la vérité. Tout solo là. Pourquoi Akoufi et Ponanini? Et bah conséquence c'est qu'aux alanini après l'ioa il y a président juge Nabiso au atiki biso lelo bande konanga je vais commencer par démentir bah tebele bah koma ki keno il a été attaqué dans la nuit par 4 individus non identifiés nde ya kufi. Cette information est fausse information que bah côté là qui est et pas 4 personnes na boutou Babeti et Akoufi, c'est une information complètement fausse. Voilà, c'est une hypothèse qu'il faudrait écarter et ça n'existe pas. Moi, j'ai appris 6 heures du matin cette information. Après, na sali tout na zoa ba numéro ya bandeko naye parce que naye bi ba cousin naye bazana poto pe o bazana Congo. Na sola ki pe na maître junior o ya za proche naye o ya za la ki naye mardi. Aye bisinga kenona otiko apprendre nouvelle na transport zelanga na koma sur place.
Natikeli eta akomi sur place abenginga akomelinga na WhatsApp to sololi apesinga vraie version o ya liwa ya maître ya excusez-moi ya président juge na biso. Donc on peut pas passer, on est déjà 85 personnes o leko banda koloba biloba lo bana sentiment en plus dire des bêtises na mémoire ya oyo tokufisi lelo eza ko manquer respect azo mérité ba explication claire na liwa na ye azo mérité ba preuve pour na population congolaise baza la bien informée parce que tension eza makasi tension depuis akufaki eza makasi. Les gens veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On l'a vu bien lundi imperturbable, mais pourquoi lelo akufi kaka lobe tozali na lundi hein vraiment mutu akufi lela akumi ebembe pona nini. Vraiment, pourquoi et pourquoi, vraiment, pourquoi? Donc, la question, c'est pourquoi? Qui peut être derrière cette mort mystérieuse? Ça, c'est la grosse question que les Congolais cherchaient à comprendre et à savoir. Pour nous, nous avons dit que 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 nous avons dit azate. C'est leur version. On a sololi na famille biologique. Même matin que kozala a na poto, on va annoncer dans les jours qui viennent au bisika ba diaspora ou ba kolinga ba kende ko rendre yo hommage na Paris to ko pesa adresse hein na koleka a na ko pesa na osa live até à 5 minutes to pesi adresse bisika matanga e kozala na poto na sola kina bande ko na e baza a ba cousin na e propre baza awa to soloni na tongo awa. Je peux dire que même de loin on est un peu parenté. Mais dire ici qu'on est parenté, qu'on a été tif, à son moment où il y a quoi attirer attention à Batoukeno, à Zan de Konanga, pour Azan Moutete, là tout. Non, non, non. Nous cherchons la vérité. Tout le monde cherche la vérité. Même la famille biologique à Kinshasa actuellement cherche la vérité. Le maître, le président juge Nabisso, n'était pas malade. Ça, c'est la toute première information. La famille a confirmé qu'il n'était pas malade. Je vous demande de partager, s'il vous plaît, même une seule fois dans un groupe. Toboti Atabaker, si partager, ça ne vous arrange pas. Essayez au moins de mettre de cœur pour nous permettre de continuer. Parce que Facebook, quand nous faisons des lives, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de cœur. Ça apparaît un événement moins important. Donc, il risque même de couper les lives. Et Bozu, ma réponse était tôt, on a répondu à ma question à Binoté. Au Souina, famille, le Kolanani. Bon, Naza fils du pays, soyez bato tout baza, fils du très haut. Je suis fils du pays, to koufisi, jugement comme boye, oye azala ki na confiance, ya population congolaise à travers le monde entier. Donc, lelo, azan de konanga, ndekonanga fils du très haut, je te réponds, que nani, président juge nabiso, aza, moutou ya bato nyoso, abanda ki ko servir la République. Donc, il n'y a pas à Koloba Kenor contacter la famille pour quelle raison. Vous aussi, vous pouvez contacter la famille si vous voulez avoir des éclaircissements. Donc, partagez ou mettez des caisses, s'il vous plaît, pour continuer. Famille Balobi, il n'était pas malade. Abandaki Kobelate. Abandaki Kozoape traitement spécifique été. Il n'était pas malade. Abandaki Kozoata traitement mon côté. Que ou Amelakabaki si ou boue. Non, non, c'est faux. Il n'était pas malade. La preuve est que depuis audience au Ebanda qui to procès Ebanda qui a Vital Kamer et consort, jamais to mona que a sali malaise, jamais to monie que a perdre mémoire, jamais to monie a commis perdu azala ki bazo bengaye l'imperturbable. Même lorsque la défense essaie de le perturber, il était toujours constant. Lorsque même les avocats du ministère public et essayait un peu de le pousser, il était vraiment imperturbable. Donc, il n'était pas malade. Quand on est malade, vraiment, il y a des signes qui peuvent démontrer que vous êtes malade. Et tenir des audiences jusqu'à 4 heures du temps, Yemoko, Ayoka Kotoyo, ce n'était pas chose facile. Pour dire que, Abandaki Kobelate, mais to comprendre te, il y a même un juge qui a témoigné qui na actualité CD na Politico CD, c'est des sites officiels comme ba Radio Capi, comme ba Air France. À lobby mardi à lobby, ils étaient ensemble. Ils discutaient sur plusieurs dossiers.
il n'a pas remarqué aucun signe que azo bela to aza mutu moko boye aza na ba signe moko boya malade. Congolais nyonso aza témoin que lundi asala ki 4 heures na audience wana, mais to monaka azala ki vraiment au top. Est-ce que vraiment quand vous êtes malade, vous allez tenir pendant 4 heures du temps en audience netio tout la ki bisonyonso à travers le monde entier? Non, il n'était pas malade, il ne souffrait pas. La famille va confirmer qu'il ne prenait aucun traitement. Donc notre président juge Raphaël Yani Ovungu se portait bel et bien en bonne santé. Il n'était pas malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Selon son frère Ongana Sololinaye, maître Junior, a yebisinga lobi na 1h du matin, ne abandi koyoka nzoto malamute. A yebisimwa sina ya lobi non. Je ne me sens pas bien. Nazoka malamute. Ah, moi si na comprends, mais papa nini yango. Oh non, nazoka libumu e komo balukanga. Ah, libumu ndenga nini. Oh non, vraiment nazoka le ventre commence à bouger, et je ne comprends pas. Et zui tango mulaite mutabani kosanza. Kosanza nini makila. Les choses commencent à être vraiment trop graves. Moi si na moni que c'est sérieux, de ba me makie na hôpital. Na 1h du matin, urgemment, koko mana hôpital, ils ont remarqué que non, il est déjà mort. Donc, il y a même des gens au balobio, bazongi sakie makila, bazongi sakie mai. Non, non. Lui il n'a même pas bénéficié d'aucun traitement. Le médecin a tenté, peut-être, à cause de ça, il a été réanimé, mais il était déjà mort. Donc, il n'a pas bénéficié d'un traitement quelconque. Comprenez bien que non. Comment ça peut se faire? Moutazala qui bien lundi, Tolandi est très bien, Moutazala qui très bien lobby mardi, mais na boutou kakana iner, tout a changé. Version à famille, balobi c'est un poison. Balobi est un poison, kota la façon maladie et ça la qui est na boutou, tout laisse croire qu'ils ont poison. Mais pourquoi je ne vais pas confirmer cette information? Parce que pour la cause à la crédible, il faudrait autopsie et salama. Ce qui autopsie et salami, on peut coller kolobakeno, c'est sûr et certain, à coup fin à poison. À coup fin à poison. Mais pour l'instant, moi, la famille biologique, balobi, c'est un poison, vie et fait. Oyo et ça là qui est na libumu pe ko sans embalamo comme akila, c'est un poison. Donc j'ai dit je ne vais pas confirmer cette information devant toutes les personnes qui nous suivent parce que il y a pas encore d'autopsie et nous profitons ici d'exiger l'autopsie. Ba congolais ba kozana posa ba ye ba clair ba mona clair baye ba vérité parce que mutu oya kufi lelo abanda ki ko inspirer confiance du peuple. Mais qui a voulu à sa vie et qui a jugé bon de l'éliminer? Toza déjà un procès capital pour la République démocratique du Congo, pour na image ya mboka, pour na conserver leçon na batu o ba conserver mboka na biso. Procès o c'est un procès symbolique. Nous ne confirmons pas que Victor Kamera a détourné, a volé, jusqu'à ce que la décision sera rendue. Je ne viens pas ici condamner Victor Kamera qui l'a volé, il a détourné. Nous allons attendre que la justice finalise vraiment le procès, en fait que nous puissions tous tirer des conclusions. Donc, mes frères et sœurs, la version familiale, Bazolo Bakende Kuna Bango, Baleissie et Lokomabe, soit Basimbisakie et Lokomabe, Akufi liwa moko bakana kite. Peut-être il y a des personnes qui ne comprennent pas les lingala qui nous suivent. Je vais essayer aussi de parler en français. J'ai dit, j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé le numéro de la famille biologique. J'ai discuté avec son cousin qui est sur place à Kinshasa. Même son cousin qui est ici en Europe, qui a promis que non, les Dey, ils sont en train de se coordonner pour nous annoncer là où ils vont l'organiser. Donc, je passerai donner l'adresse. Là où le déroulement du deuil se passera ici en France, na Mont, na Paris, t'occuper sa adresse à Bandeko Bakolinga, Bakendeko rendre hommage. Je passerai vous donner l'adresse pour Nabokende.
komona esika oyo awa na poto to korandre ye hommage pe jour yango na koleka na direct pona kolakisa bino ke ba information nazo pesa awa na fabriquer yango te mais nazu yango na famille na source depuis 6h du matin tango na lamuki nde na bandi ko sala effort tout ya kozwa numéro ya bande ko na ye proche ya poto comme ya Congo donc bande ko na ngato za la patient toza la patient soki par exemple autopsie et salami que balé ici est poison alors qui serait le responsable parce que eloko lelo ba congolais bazo silica baz lobby ah mais on a vu lundi notre vital caméra le pacificateur alobaï qu'il va mettre le feu ce qui va amener moi sinaye aya ko témoigner na suraya a prometta qui eloko ana bande konanga bo partager mon ebele bo tia bakè s'il vous plaît pour continuer. Il a promis qu'il mettrait le feu. Bon, ba feu ezate kaka ozuimbe ozui almet ou alimé au tché ndé la kisi ko tché feu. Mais ça peut dire beaucoup, ça peut s'interpréter na ba plusieurs façons. Et après menace à lundi, je vais même corriger là. Il y a des Congolais qui disent que non et ils n'ont pas entendu Tango Vital Kamerhe à l'obaye qu'il mettrait le feu. Au moment où Vital Kamerhe à l'obaye ka ko tché a moto, il mettra le feu. Ce qui va bengisi ba témo wana comme Suraya comme nani moi si na madame Chatu aya ko témoigner micro ezalaki lisusu te et pas Vital Kamerhe micro ezalaki na côté à ministère public après Vital Kamerhe ezalaka entouré na ba avocat na ye tango ye a lobby ezalaki sa micro donc c'est difficile yonanga auto banda ko landa en direct to yokango et maître wana koko tanga yo ki Vital Kamerhe a lobby non si vous voulez faire parvenir mon épouse, moi je mettrai le feu. Et puis c'est qu'on ne peut pas menacer la République. Vous pensez qu'un avocat, Azawana en pleine audience, a qu'un décoco c'est la Vital Kamerhe, que yo lobby ko kotia moto na makala, pour quel intérêt? En plus, si entouré de ses avocats, mes frères, hein, s'ils étaient qu'à deux, on peut comprendre. Mais ils étaient beaucoup. En plus, Vital Kamerhe entouré de ses avocats. Dites-moi comment Maître Koko Koko Silaye que yo lobi koko tia moto na makala. Alors, parole wane komi ko koute Vital Kamerhe cher lelo na internet parce que après menace na ye tomoni maintenant ni président juge Akufi. Alors batebele ba komo lo ba ke non. Comment ça se fait que ya lobaka ko tia moto donc peut-être moto anga lobai ka ko tia et s'est transformé na façon oyo président juge Raphaël Eyani Ovungu Akufi. Donc, et comme point d'interrogation, et les Congolais ont intérêt de savoir la vérité et la réalité. Moto o Vital Kamerhe alobaki akotia eza ya lolenge nini. Et en même temps, on a tous remarqué que côté à défense, les avocats de Vital Kamerhe se plaignaient que juge o Akufi lelo abandaki ko accorde plus tant na avocat ya ministère public donc les avocats de la République par rapport à avocat ya défense donc on peut comprendre que bango babanda ko juger yeneti aza partial net aza ki juge moko boy aza parti pris eh bande kunanga babanda ko juger maître Yanni Raphaël Ovungu oya Akufi lelo net aza parti pris parce que ba remarqué ki que tango bango bazolo baneti ba opesa bango tamuke mais tango ministère public ba avocat bazolo ba bazozo atay belé donc ça a suscité un peu de l'indignation côté avocat ba avocat Vital Kamerhe que comment ça se fait que et ils ont plus de temps vous les accordez trop d'attention mais nous quand on parle que oh vous n'avez plus la parole donc vous comprenez qu'il y a eu déjà la guerre froide même en pleine plénière lorsque les avocats se plaignaient que bazolo pesa bango malobe belété. Et Vital Kamerhe qui promet qu'il mettrait le feu à Makal. Et aujourd'hui, le feu commence à se dessiner. Parce que feu, et la kisite kande na otolo ba ke prendre l'allumette et prendre l'essence ou quoi que ce soit. Mais ça peut se traduire par plusieurs manières. Donc, mes frères et sœurs, nous exigeons l'autopsie. Nous exigeons l'autopsie. Sortez, papa. Non. Sortez d'abord. Excusez-moi, mes frères et sœurs. Non, sortez d'abord. Non, maman, ça dit si on peut préparer. Excusez-moi, je suis désolé.
Donc, mes frères et sœurs, vont comprendre que nous exigeons l'autopsie. Ce qui autopsie et salamité, population va se prendre en charge. Procès Oyo, c'est un procès symbolique. C'est un procès symbolique. Les Congolais ont intérêt à un éclaircissement parce que Mbongo Oyo et Bungi, c'est l'argent de la République. C'est l'argent de la République. Et Mbongo Nayo, et Mbongo Nanga, c'est notre argent à nous. Et ce que Congo, Mbongo et Mboka Batobazo Kabola, neti mapa na kati andako na bango, le pays ne va jamais avancer. Donc nous exigeons l'autopsie le plus rapidement possible. Pour nako calmer peuple congolais. Oui, je suis d'accord pour l'autopsie. Prince Price. Merci beaucoup Oyeza frappe à Molili. Bon de kunanga moka lobeza frappe à Molili. Merci mingi nazo senga bino bo partager to comme encore ebelé. Bo pesa ba opinion na bino oya lobi tu es forte. Merci beaucoup Rodriguez Alida Musongo. Bon, comprenez que la population congolaise exige l'autopsie. Si il n'y aura pas d'autopsie, ba ko enterrer yete. On va pas l'enterrer, matanga pe ekosale maté. Sinon il y en aura du désordre. Procès pe à Vital Kamerhe et qu'on continue té. Et qu'on continue té, ça va pas continuer. Il faudrait qu'on voit d'abord clair na affaire Oyo. Pour la continuité à procès et soit valeur et soit confiance à la population. Mais ce qui va précipiter au Kundaye, autopsie et salamité, vraiment, ça sera une déception pour toute la République. Mes frères et sœurs, je vous exhorte à garder votre patience. Ça nous choque tous, ça nous frappe tous. Nous sommes en deuil, la République est en deuil. Mais soyons patients. Patientons et nous demandons l'implication personnelle. Il y a chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. À ça la tupona transparence et les kamakambo. Parce que le juge travaillait pour la République. Aujourd'hui, il est parti. Et ce qui le juge a koufi l'élo, mais peuple congolais bazo manifesté. Donc, à Zala qui n'a confiance du peuple. Alors donc, c'est vraiment, on a perdu quelqu'un d'extraordinaire. J'ai vu même Vital Kamerhe n'a pas cessé de dire que vraiment, jusqu'à aujourd'hui, la justice est en train de faire bien son travail. Donc, même Bato Bazo soutenu Vital Kamerhe, ils sont aussi perdants parce que Lelo, Vital Kamerhe lui-même a affirmé que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à lundi plutôt, la justice faisait bien son travail. Et si la justice faisait bien son travail, c'est par rapport à ce monsieur. Et ce monsieur, il est parti. Donc, c'est un manque à gagner. C'est une grosse perte aussi pour les gens qui soutiennent Vital Kamerhe. Moi aussi, je ne déteste pas Vital Kamerhe. Je n'en veux pas Vital Kamerhe. Mais j'en veux Vital Kamerhe par rapport à sa coordination. On voudrait savoir comment il a coordonné les choses. Et comment nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui? Donc moi, je n'ai pas de problème particulier avec Vital Kamerhe, mais on veut savoir son implication et la manière dont il a dû gérer les choses. C'est ça l'éclaircissement que les Congolais veulent connaître. Donc, bon, à la passion, tous est là. Mais d'ici même samedi, autopsie, même demain, pour j'exhorte la famille biologique. Bayebi, je vais encore les appeler après l'émission. Bandi maté ba kundaye sa autopsie et salama. Et autopsie wana ba rendre en public. Pour na Congolais à consulter autopsie wana à monango. Parce qu'il est une personnalité publique. Aza une personnalité publique. Donc les Congolais ont droit. Ils ont un plein droit à côté. Autopsie, ce n'est pas un secret extraordinaire. Ils ne souffraient pas d'une maladie, je ne sais pas, exceptionnelle. Et je vous ai dit même dès le départ qu'ils n'étaient pas malades. Ils ne prenaient aucun médicament. Ils ne suivaient aucun traitement selon la version de sa famille. Donc, tu sengi autopsie dans le bref délai. Et nous exigeons. Tu mona ki procès depuis Ebandaki, Vital Kamerhe a demandé 6 fois la liberté provisoire. Ça a été toujours refusé. Nous mettons en garde le nouveau juge qui sera à la place de notre illustre
Raphaël Ovungu, de faire attention. On a vu que la liberté provisoire a été au moins rejetée 6 fois. Si le procès continue et une fois le nouveau juge commence à accepter des libertés provisoires, ça serait déjà flou. Parce que ça serait difficile. Il y a quand même un Congolais qui est au Bouéla Vital Kamerhe au moins 6 fois liberté provisoire. Va remplacer juge à Sikam, Balamoka Ndimi liberté provisoire. Affaire est commis à Souka. Après audience, il y a mercredi prochain. Et linga ke ya kosa la plaidoirie. Après affaire ici, linde balinga ki ba annoncer verdict. Mais le loto zongi sima. Parce qu'il faut to kundaye. Il faut to rendre hommage pour la affaire et continuer. Et je peux dire même que c'est une mauvaise nouvelle pour la côté à Vital Kamerhe. Parce que ce qui l'affaire continuait normalement, d'ici peut-être 2 semaines, 1 semaine, Vital Kamerhe allait sortir de la prison. Personne n'est content qu'il soit en prison s'il est innocent. Ce Vital Kamerhe est innocent. Pourquoi le garder en prison? Jusqu'à aujourd'hui, il est le directeur cabinet principal et chef de l'État. Vital Kamerhe n'a jamais été limogé. Donc, Tozo Zelaye na biro naye, aya kousala moussala a servi la République, s'il est innocent. Mais s'il n'est pas innocent, il faut qu'il soit incarcéré le plus rapidement possible pour servir des leçons. Pour servir des leçons, il faut que Vital Kamerhe, une fois reconnu coupable, qu'il soit incarcéré le plus rapidement possible. Mais s'il est innocent, il faut qu'il soit libéré et même dédommagé et il faudrait laver son honneur qui est souillé aujourd'hui. Il y a présomption d'innocence. Donc, si Vital Kamerhe est vraiment innocent, il faut qu'il sorte, il faut qu'il se retrouve dehors et qu'il retrouve sa famille le plus rapidement possible. Donc, Bande Konanga, Nazako alerté que nouveau juge, ou a remplacé Vital Kamerhe, a ça l'attention. Ce qu'a Bandi n'a autorisé la liberté provisoire à Bouzoba, peuple congolais va qu'on soit procès en charge. Peuple congolais va qu'on lapide yé. Peuple congolais va qu'on sanctionne yé. Procès est kende na lire ou ebanda ki ko kende. Comme est commis na souka, le procès arrivait à sa fin. Donc le procès était presque fini. Après l'audience du mercredi prochain, ça allait rester qu'une étape plaidoirie. Après c'est fini. Mais aujourd'hui les choses vont encore s'allonger parce qu'on a perdu le juge principal. Donc, les nouveaux juges, nous te mettons déjà en garde. Nous ne te connaissons pas, mais nous te mettons déjà en garde. Il faut faire attention. Il faut que l'Olanda ligne Oyo, Maître Raphaël Yanni Ovungu suivait. Même tous les 2 côtés, il était apprécié. Donc, il n'y a pas d'intérêt de venir perturber le procès en cours. Faites attention et nous mettons en garde. Kamerhe abima na Kamerhe abima kana batu. Bon, je vais un peu lire des commentaires. Oh bato bazo sala, mon frère Vital Kamerhe est étranger. Bon, ndeko na biso moka lobi Vital Kamerhe est étranger. Je n'ai pas confirmé ça. Je ne suis pas en train de faire le procès ya nationalité à Vital Kamerhe. Ah, wa tozo rendre hommage. Ya mutu ya munene to bungisi oyo a inspiré qui confiance à peuple. Donc, Mambo Yakoloba que Vital Kamerhe est étranger, ça n'engage que son auteur, ça n'engage que la personne qui vient d'écrire, ça ne m'engage pas. S'il est étranger, je ne pense pas qu'il allait occuper ma poste, non, ça allait occuper de l'eau. Je ne vais pas faire le débat à ça. Je vous demande de partager un peu, s'il vous plaît, pour que nous puissions continuer, soit de mettre des cœurs, pour que ton mécaco s'échange. Tu racontes n'importe où, tu mets de pression sur les nouveaux. Non, nazo mettre pression, tu es à nouveau. Président juge, je vais nommer. Mais Nazoye Bisaye, une meilleure façon de rendre hommage, na moninga nae oya oti kokufa, eza ko landa ligne ya droiture, oyo moninga nae abandaki na yango. Je ne mets pas aucune pression, mais je suis en train de faire un recadrage. Que non, si vous serez à la place de la personne qui vient de mourir aujourd'hui, il faudrait ko landa ligne droite. Pour nous rendre un peu hommage, bisika ake amona ke musala na bandaki
muta remplacenga azo kende nango malamu pe azo tambola na lolenge congolais azo ko s'attendre. Donc c'est ça, Pollyanna, nous exigeons l'autopsie, mon frère, nous devrions arrêter cette lâcheté de perdre des hommes qui représentent de valeur. Nous devrions voir clair. Vous voyez, les gens réclament l'autopsie pour voir clair. Alors, ce n'est pas un problème que je suis en train de menacer ou il y a quoi en vouloir, le nouveau président juge. Je ne le connais même pas. Ni Yoninga Mutahe Biazate. Donc, nous devons être patients. Mais nous leur prévenons que nous mutu oya ko remplacer ye pona rendre moninga na ya kufi hommage ya malam, il faut akene na droiture. C'est pour cette raison que j'ai dit, si Vital Kamerhe est innocent, il faudrait qu'il soit libéré le plus rapidement possible. Mais s'il est condamné, il faudrait qu'il purge sa peine avec toute rigueur pona ko servir de leçon na ba voleur politique moussous o bazo s'il sambongo ya l'état. Nous souffrons, vous souffrez, mais les autres, quelques petites têtes vivent mieux. Ce n'est pas ça la République. Kamerhe et Kabila égale Mbi Anguindumbo. Wanezaba propona onde konanga eza opinion na yo. Awa tozo finganate. J'exhorte déjà à ne pas insulter. Donnez votre position, donnez votre opinion, mais n'insultez pas. La meilleure façon à rendre hommage à Mota Koufi, eza ko finganate. Biso tout ozaba congolais. Ozalozo soutenir Vital Kamerhe. Ozalozo côté à République. Oza Congolais, oza Mutumoko. Tolingi que la justice soit faite. C'est tout. Pourquoi on doit s'insulter? Tozo se rappelle que ceux qui Vital Kamerhe va condamner, asala bolok. Ceux qui sont innocents, va dédommager, va laver. Azong la moussala. Est-ce que moi j'ai dit que Vital Kamerhe il est voleur? Je ne l'ai pas dit. Il faudrait que la justice le dise. S'il ne l'est pas, où il est? Donc, mes frères et sœurs, bon comprendre que non, ceux qui congolais a tombé qui les lo, parce que moni mort wana eza une mort suspecte. C'est une mort suspecte. Mutazala qui bien lundi a tenu 4 heures du temps. A zongi lobby, il était bien, mais na 1 heure du matin moto a sanzi makila a koufi. Excusez-moi. Pour quelle raison? Et ça profite à qui? Une question aussi à se poser. Je voulais vous dire que bah, juge, bah, que bah, ça l'attention, n'a pas papier, n'a pas papier, n'a pas commenté en Dekonanga, bah, ça l'attention, n'a pas papier, au bazo, la Kisabango, wana, leurs papiers sont empoisonnés. Ndekonabi, son mot, kebisi, bah, juge, alobi, bah, papier, au yoka, à défense, bazo, en Ango, c'est des papiers empoisonnés, bah, ça l'attention. C'est aussi un message, c'est un Congolais à s'exprimer. Ndekonabiso lobi albitianims, monsieur c'est qui t'anime, c'est, je comprends pas son message. L'autopsie est important, enquête aussi. Une fois juge a été empoisonné. Il y a notre frère qui oblige l'autopsie pour na en même temps enquête et salema, parce que sinon même nouveau juge ya kokota ko ya ko banga ke moninga nanga otokufa. Donc moi aussi peut-être je vais risquer le même sort. Il faudrait enquête et salema pour et assurer bah membre oyo baza ko constituer procès wana bazala à l'aise, bazala éclairci, bazala rassuré. Et moi je vais même demander que le président de la République prenne en charge dès il y a notre président juge Raphaël Yani Ovungu, président de la République et son excellence Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo. Je vous exhorte de prendre en totalité les dépenses et lui rendre un honneur incroyable, un hommage vibrant pour na musala oyabana ki kusala. Depuis quand na Congo soki juge akufi batoba sala ba manifestation batoba tomboka. C'est parce que juge wana population balinga ki est. Ezate ke balingi parce qu'il est beau. Ezate ke balingi parce que je ne sais pas, il est de je ne sais pas quoi, mais balingi na musala na ye. Ezanet frère na biso Israël Mutombo. Il a commis populaire dans Internet, c'est parce qu'il est en train de faire un bon boulot que Batebele va remarquer qu'Azalaka parti prité, Azalaka la moukate, Azalaka ya malinité, il est juste, il est devenu populaire. Donc c'est le travail qui rend une personne populaire. Donc Moussala na yende lele sali que ba Congolais ba silika, pe ba exiger enquête moko bo éclair na disparition na ye. Mais c'est le président de la République,
au nom de la République, au nom de tout le peuple congolais, nous vous demandons, avec tous les respects, de prendre en charge vraiment les obsèques et même de soutenir sa famille après. Parce que lui, il était le pilier de sa famille. Aujourd'hui, il est parti. Il a laissé ses enfants, il a laissé sa femme. Qui prendra ses enfants en charge? Qui prendra sa femme et ses proches en charge? Il est parti. Et il est mort dans une période où il était tellement important. Je peux comparer même Liouan Aye. Na Liouan, papa Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Tant que toujours ça, la ba négociation, pour la ba élection, et ça, la, il était catégorique. En pleine ba négociation, notre papa Etienne Tshisekedi a koufara kaboye. Nous étions tous désespérés. Que même par l'élection, peut-être, et que ça, les Malissous soutés, vu que la seule personne, excusez-moi, qui déstabilisait Joseph Kabila était Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Tant à Koufa, un désespoir s'était installé dans Mituaba Congolais et Bélé. Yangonde Lelo, juge autant à Koufi, désespoir et koti, découragement et koti. Que est-ce que procès Oyo et Kozalandenge et Bandaki? C'est pour cette raison que nous disons que nouveau président juge, si vous osez de faire des bêtises, si vous acceptez d'être corrompu, population va s'en prendre à vous. Moi, je vous le dis clair, que Congolais a l'embi injustice, Congolais a l'embi impunité, Congolais a l'embi tout le monde a capacité. On dit que le Congo c'est un pays riche, il y a des diamants, il y a du cuivre, il y a des coltan, il y a l'uranium. Nous avons des lacs pleins de poissons, mais les Congolais souffrent. Donc nous sommes fatigués de la souffrance et se faire flatter que RDC et Lokoyamakasi, nous sommes riches. Mais parce que nos dirigeants s'en servent dans bon union sur l'État, quelques familles présidentielles, ministérielles, il y a des députés, des basoli en bon pays. Et toutes ces personnes, bah, ça a été à 100 000 thé, mais pays, nous sommes 80 millions. Donc, il y a peut-être 5 000 familles dans le pays Mobimba. Bah, ça a été en otage. Tout souffre, mais bango va vivre bien. Mais pour, jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à quand vraiment la population congolaise? C'est comme Cicéron l'a dit. Kosku et tandem, aboutere Katilina Nostra Pantentia. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand Katilina Biserati de notre patience? Hein? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nos dirigeants abusent au titre de notre patience? Congolais a beaucoup supporté. Nous avons beaucoup supporté. Pendant les 82 ans et demi de colonisation, 32 ans de dictature de Mobutu, 18 ans de Joseph Kabila, nous souffrons presque deux siècles. C'est beaucoup. Et nous souffrons comment? C'est parce que si vous n'avez pas une famille qui fait de la politique, vous n'avez pas un député, vous n'avez pas votre frère qui est ministre, vous êtes pauvre. Et vous êtes obligé de corrompre même pour avoir votre passeport en Mboka. Pour Zwango, dans une semaine, si ça coûte 200 dollars, il faut payer ça 350 dollars. Les documents de ton pays, pour l'avoir, il faut dépenser beaucoup, il faut corrompre. C'est pourquoi le pays n'avance pas, il faut commencer par dénoncer. Il faut commencer par exiger des enquêtes indépendantes et claires pour na ba dirigeant ba zoyi ba mbongo ba banga pour na petit peuple oh yonanga to mona clair na pays ce qui te lobi que Congo et kobongate nous allons souffrir, nos enfants vont souffrir, les enfants de nos enfants, et ça restera de génération en génération. Donc procès à Vital Kamerhe, c'est un procès symbolique. On a commettre en garde de voleurs de la République, batika koyiba, batika ko faire souffrir peuple congolais. Donc mes frères et sœurs, soyons mobilisés, soyons debout, exigeons l'enquête, exigeons l'autopsie et que l'autopsie soit rendue publique. Je vous exhorte à mettre des cœurs s'il vous plaît ou à partager. Bientôt on va arrêter. Pour que nous puissions vous réserver des informations à venir, on ne va pas prendre trop du temps, mais partagez même une seule fois dans votre mur ou dans un groupe, et c'est très important. Pour la bande de Komoussous, déjà, on va en accolobaké, bah, côté là qui est Boutou, et pas quatre individus. Bah, zoa information que bah, côté là qui était, bah, bêta qui est pété. Il a fait un malaise, il a vomi du sang. Une fois arrivé à l'hôpital, il était déclaré mort.
Mais nous, nous n'acceptons pas cette mort. Et Zalao, c'est mort naturelle. Il a que 52 ans. Il avait quand même une bonne vie. Il n'était pas malade. On ne peut pas refuser qu'il y ait au cause de la paix, au belité, au koufi. Mais l'Iwanaye, ça suscite des interrogations, des mécontentements. Et pour apaiser la population, pour apaiser les esprits, il faudrait une autopsie, une enquête claire et indépendante. Bande konanga tout bazo landanga. Na sepelinde bozo landa. Bo partager, bato moussous bazo information. Et comme atina mato ya président de la République, s'il vous plaît, ba famille et paye à président de la République, baza paye sur les réseaux sociaux, transmettez notre message au président de la République que le peuple congolais exige l'autopsie. Et ba oyo, bolandinga awa, oso kinde konande ba konome nouveau juge. Nouveau juge président na dossier Vital Kamerhe. Boye bisaye ka zwa ba risque te ya kondima mbongo. To ya kozala corrompu, il va payer sa vie, il va payer sa peau, il va détruire sa famille. Procès banda ki kokende elengi. Le procès avançait bien. Aujourd'hui bakati biso sentiment, bakati biso appétit. Nous regrettons même que Vital Kamerhe peut-être il fallait qu'Abima d'ici là. Mais il va encore rester encore longtemps en entendant Yakundama. Donc, ça n'arrange personne. Ni côté à Vital Kamerhe, le pacificateur, ni côté à Bissot, petit peuple congolais, à Lilaka Soufraka. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange pas ses collègues, magistrats, juges. Ils ont arrangé Bango, tu vas perdre Yakamoninga Boye. Ça fait mal à tout le monde. Mettez-vous à la place de sa famille biologique. Peut-être ceux qui ont la juge président à procès, oyo, tembele moussou sa koufina épété. Mais ceux qui lui ont oyo outina poison, il faut qu'on démantèle réseau oyo. Parce que même la présidence de la République, malgré ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais au bout d'une semaine, il y a au moins 7 morts. Hein? Tout le monde a quand même pour koufano qui faut à la pauvre, net biso beba petit peuple. Pour kobe la boeta, pas même l'argent pour acheter paracétamol, au koufi. Aucun hôpital balobi bako zongi sa moana na omaite parce que bofoutite, au koufi. Mais y a zalaki comme on a clair. A bandaki quand même ko vivre, mais a koufi kaka boye. A zalaki pe na maladie chronique te. La famille affirme bien qu'il ne souffrait pas d'aucune maladie chronique. Il ne suivait pas aucun traitement. Mais liwa moko boye, y kaka boye. Donc, ce que za poison. Ne bani ko silisa de personnalité importante boye, il faut enquêter ça les mabatoana baza la arrêter, baza la incarcérer. Même des morts na présidence de la République, nous dénonçons et nous condamnons. Ce n'est pas normal. Peut-être dans 24 heures, on va encore nous annoncer que Moutouma Boyazo travaille na présidence à Koufi. Et comme il est challenge moko boye net mode qu'on nous annonce tous les jours un mort, deux morts na présidence de la République. Mais pour, c'est pour quelles raisons? Ce qu'on a nazo boma bango. Nanazo boma na présidence de la République. Nana bomi président juge Raphaël Ovungu. Qui l'a tué? Qui rend aujourd'hui sa famille orpheline de père? Il a ses responsabilités à assumer les lots. Il a tout laissé à Kei. Il faudrait qu'une enquête sérieuse et à la mener. Il faudrait qu'une enquête sérieuse. Et à la diligenter. Mais ceux qui t'ont gardé silence, croyez-moi, la souffrance va continuer. Nous allons bien souffrir. Nous allons continuer à souffrir. Et un jour, nous allons encore plus regretter que ce que nous regrettons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, vraiment, dénoncez partout. S'il y a vraiment Bato Baza Awa, Bakokutana chef de l'État, Baye Bisaye, trop c'est trop. Batunde bazoku fana présidence, ça commence à faire peur. Ça commence à faire peur. On peut même vous proposer un poste aujourd'hui au que na présidence au boy parce que bato bazoku fa comme des mouches. Ce n'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal mes frères et sœurs. Nata rappelez-moi ba commentaire pour la tête que non. Bato bazolo ba tu as peur, tu veux sur tes mots. Bon, Ndekonanga, Sergino, Ezekiel, Alobina Zo Banga, je pèse mes mots. Mais c'est ça, un homme, juste parce que je ne peux pas commencer à insulter Vital Kamerhe,
Je ne peux pas commencer à dire que Vital Kemari qu'il a empoisonné ou il a envoyé déjà pour l'empoisonner parce que je n'ai pas de preuves. La famille Bazolo Baselo version. Il y a constatation à Bango Balobe za poison liwana za normalité. Ça c'est la famille. Mais il faudrait des preuves. Il faudrait des preuves. On ne peut pas commencer à dire que c'est le Nani côté à défense de Babomi sans preuves. Hein, mon frère Sergine Ezakiel, vous voulez que je puisse commencer à insulter les gens? Moi, je n'insulte jamais. Tous les Congolais, on essaye de couper ça à moto près de Vinaye. Je ne suis pas là pour rendre procès, mais je suis en train de motiver, de mobiliser que tous la vigila, tous les enquêtes à la indépendante, tous les autopsies et ça la paix et ça la rendue publique. C'est ça mon rôle. Et je vous informais. En même temps que Akufinaye que babetien a boutouté, mais ezala qui malaise, il faut qu'on paie ces informations ezala sérieuses. Ça ne sert à rien à Kolobakano, à côté là qui est na boutou, babeta qui est après Akufinon, parce que moi-même, batutu ya famille na soyena bango, personne ne dit qu'il a été attaqué la nuit. Mais message à Libosonga na zwa qui na 6h du matin, ezala que non, il y a 4 individus à côté là qui est babeta qui est. Non, la famille démarre catégoriquement, personne ne l'a touché. Il n'a pas été visité la nuit. Mais pour comprendre, il y a comment il y a Koufi sans toutefois être malade. Il y a un peu vie et fait à Banako sans Amakila. Ça peut être lié à la poison. Et pour être sûr, il y a exigé autopsie. Peut enquêter ça là, s'il s'agissait d'une poison. D'un poison plutôt, excusez-moi. S'il s'agissait d'un poison, il faut enquêter ça là. Donc, c'est ça. Il faut s'arrêter à des informations qui sont correctes, justes et pertinentes. Ça ne sert à rien de faire croire aux gens qu'il a été attaqué, il a été frappé, ou commencer à accuser Vital Kemari sans preuve. Devant la justice, si position est marche à côté. Soit vous dites, oui, il a été empoisonné, et vous démontrez le papier qui prouve qu'il a été empoisonné. Et même si vous démontrez, il faut aussi dire, il a été empoisonné par qui? Donc, c'est là où ça nécessite une enquête sérieuse. On a qu'à déterminer origine et empoisonnement. Donc, il faut aller étape par étape. Il est mort, oui, il est mort. Il a été frappé, non, il n'a pas été frappé. Il a été visité la nuit, non, il n'a pas été visité la nuit. Bon, comme il est mort pour être sûr de l'origine de sa mort, la population congolaise à travers le monde entier exige l'autopsie. Et ce que l'autopsie va révéler, nous demandons que ça soit rendu public. Une fois rendu public, s'il s'agit d'un poison, il faudrait qu'une enquête soit diligentée et mettre la population au clair. Donc, et bah, élément principal, il y a une deuxième position, comme Isa Sangoya Liwa, toujours compatible avec le président de la République et son Excellence Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, le gara de la nation, na bande koba proche toi zo kufisa. Nous sommes de cœur avec vous, monsieur le président, mais il faudrait vous réveiller. Est-ce qu'il faudrait attendre qu'il y ait 10 morts par jour, 20 morts par jour, pour que vous preniez les choses au sérieux? Pourquoi les gens meurent comme des mouches? C'est aussi nous profiter de cette occasion pour interpeller le président de la République à faire le nécessaire. Pour n'a pas l'oua ou y'a son maison, le canard président, c'est Essila, Pe Essouka. Eh ben, de Kounanga, ba Congolais. Donc, merci vraiment. Bon, continuez à partager, s'il vous plaît. Nous allons taper quelques commentaires, après on va arrêter. On ne va pas prendre des heures à expliquer la même chose. Je pense, en bref, notre président juge n'a pas été tapé la nuit, n'a pas été visité, mais il a fait malaise, il a vomi du sang, il a été acheminé à l'hôpital et il a rendu l'âme à 2h du matin. Point barre pour l'instant. Deuxième stade, la population congolaise. Bazako exiger autopsie. Autopsie, ce qui est salami, et bimi que non aza empoisonné, enquête, et zala mise en place pour na ko déterminer qui l'a empoisonné et pourquoi. Ce qui est salami bongote, population, bako silika ya ko sakanate, et ça ne va arranger personne. Parce que la manière ya ko rendre hommage ya bien, et za ko sepeli sa congolais pour na komona clarté na affaire oyo. Petozo ke bisa nouveau juge, ou ya ko remplacer azala indépendant, azala impartial. Il faudrait utiliser de l'impartialité. Azala ni côté avocat ministère public était, azala ni côté à Vital Kemari était. Pe Vital Kemari ba boye déjà liberté provisoire au moins 6 fois. On veut pas qu'un nouveau
nouveau président juge va remplacer la semaine prochaine. Après, une fois la liberté provisoire demandée, la liberté provisoire accordée. Non, la population ne sera pas contente. Il faut qu'il reste là-bas. S'il est inculpé, il est condamné, il faudrait qu'il purge sa peine. Vital Kamerhe il fait abîmer la prison lavée de toute soupçon. Ce qui abîme la prison, sans toutefois que la décision de la justice soit rendue, ça va perturber les gens et ça ne sera pas bénéfique même pour la République. Vital Kamerhe doit rester là-bas. En sortant de la prison, il doit être déclaré innocent. On va l'applaudir. On va l'applaudir, on va encore le soutenir. Mais si une fois il est condamné, il faudrait qu'il reste là-bas. Si c'est 5 ans, 5 ans. Si c'est 10 ans, 10 ans. Et qu'on serve les leçons. Naba oh le lo bazana pouvoir naba perchoir na bango ana ba mona que non l'état a changé, l'état des droits que le président de la République a promis aux Congolais est en marche, mais ce qui ba liberté provisoire est bandi n'est une vous là vraiment la population ba ko s'en charger na bino ba juge paye, vous allez payer vos vies, il faut faire attention. Donc rendez-vous d'ici samedi tout la nana nous programme au bakopé ça ba obsèque, mais après même avant même bapé sa programme, il faudrait d'abord qu'il y ait l'autopsie. Nous exigeons qu'il ne soit pas enterré sans l'autopsie. Vraiment, je vais encore contacter la famille, je vais les exhorter bango passe bazanango bisopé tozanango parce que espoir à peuple congolais ezana procès oyo. Donc motabane ko diriger procès ezayé a kufi toza bisonyo sona passe bandi maté que oh bakundaye parce que toza la période d'état d'urgence sanitaire toza na nini oh non non, il faudrait que l'autopsie pe autopsie ango batika pe attend deux personnes et la famille ba participer nango eza l'autopsie moko boy crédible eza l'autopsie moko boy oh non 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 fabriqué de toutes pièces été, sinon ça va énerver la population et procès ange que kende moulaï makasi. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, restons debout. Nous rendons vraiment un vibrant hommage. Na muto ya tiki biso, aza père de famille, aza peut-être grand frère, pour na ba moussous, aza papa, aza oncle, vraiment tozo lilaye. La République pleure son juge compétent, l'imperturbable juge accueilli. Ça fait trop mal au cœur. La perte est énorme, est inexplicable. Vraiment, n'attends à moi un commentaire pour te répondre. Oui, mais toi, tu n'acceptes pas sa libération puisqu'il faut suivre la droiture du défunt juge. Non, mais libération, on veut que Vital Kamerhe soit libéré. Mais une fois il est acquitté, pourquoi précipiter de sortir? Il y a Eddy Kapend, il est là-bas, ça fait 20 ans, il n'est pas mort, il est vivant, il est en bonne santé. Vital Kamerhe, ça ne fait pas un mois. Ça peut faire un mois, je pense, cette semaine. Il doit un peu être patient pour attendre à Bima avec honneur. Que vous aviez dit que j'ai volé, regardez, je n'ai pas volé. Vous m'aviez dit que je suis voleur. Aujourd'hui, je suis innocent. Toko acclamé. Mais ce qu'a Bima, il y a ma liberté provisoire. Oh, toujours ma soupçon, ils ont pesé Syrie. Ils ont un impact de mon repos n'a été. Un débat de Konanga, attendre à commenter, mon frère. Vous qui êtes grâce à faire cette vidéo, je vous encourage, multiple. En plus, vidéo mobiliser le peuple qui sont dans les trous. Bon, il y a toujours méga kosa ba vidéo pour na ko mon frère Kabila et mon frère Kabila Kanambe ba pesier pour azoa tier la batte. Wana za ba proposer ko engager muta commis Julien Lim, ce n'est pas moi, tu es sous le choc, tu as peur, tu as une autre opinion que tu gardes en vrai. Non, je n'ai pas peur. Hein? Personne ne viendra m'arrêter. Motako Zoavio, Siko, Aya, Okanana, France, Ako, Zalati. Non, personne ne viendra m'arrêter. Mais on ne peut pas affirmer des fausses informations pour plaire aux gens. Ça, c'est non. Ce n'est pas parce que j'ai causé avec la famille biologique qu'il faudrait la banoko, c'est la famille à Batou. Biloko Balobite, Ngana Banako affirmer. Mais non. Non, ce n'est pas ça. Et je gagnerai quoi? Qu'est-ce que moi je vais gagner après cette vidéo? Rien du tout. Mais souci n'angéza que lelo obimana flou. Parce que les gens ils sont en train de babzoka gauche et droite. Alors moi je te livre l'information façon Akoufeli.
Mais je n'ai pas une autre opinion. En vrai, on a gardé. Je perds de quoi? Hein? Je perds de quoi? Bah, ouais, au Kanga, ah, en France? Non. En plus, même bah, vol commercial, les athées. Ce qu'on a quoi au Kanga, ah. Pendant qu'on a déposé une plainte internationale, bah, au Kanga, en France, pour un lobby. Non. Mais je garde, pour la paix, pour respecter Moutakoufi, il faut que la vérité aux familles n'aille pas lobby. Ce qui n'a pas ici, ma famille n'aille pas lobby, t'es. Je suis en train de déshonorer mémoire. Il y a notre juge président, Raphaël Yani Ovungu. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas faire plaire aux gens en disant de fausses informations. Ça ne m'arrangerait en rien. Donc, tous à la cohérent, tous garder silence, mais tous à la vigilance qu'ils ne soient pas enterrés à l'autopsie. Et une fois autopsie, bah, sali, ce qui est poison, nana tchelier poison, enquête et salama. En tout cas, merci Ming. Je voudrais. Oui, à l'objet, c'est un arrêt cardiaque. Bon, arrêt cardiaque, ils ont dit à quoi? Arrêt cardiaque, ils ont été aux autres temps pour la boisure, ils ont peut-être aux diabétiques, peut-être aux la tension, peut-être aux la maladie, mon corps chronique. Ça peut arriver. Mais ils ont été caca, boyer, arrêt cardiaque. Non, c'est pour cette raison. Sauf qu'ils ont arrêt cardiaque, de Konangaï, Nani Masuema, de préférence, autopsie et la qui s'est en haut pour la bisoto s'apaiser. Pour toi, la conscience est tranquille. Pour toi, en vouloir, en amoutouté. Pour toi, quand amoutouté, quitté. Nous cherchons que la vérité, rien que la vérité. On ne peut pas faire des suppositions. On ne peut pas commencer à condamner des gens sans toutefois avoir de preuves. La preuve qui viendra mettre des choses au clair, c'est l'autopsie. C'est pourquoi nous exigeons que pour nous rendre honneur, pour nous rendre hommage digne d'un fils du pays, il faut autopsie ou anez à la crédible. Même ba merci au beaucoup ça l'autopsie. Je vous mets en garde. Il ne faut pas tripoter autopsie. Il ne faut pas camoufler la vérité. Il ne faut pas fabriquer l'autopsie de toutes pièces. Donc ça n'arrange à personne. Bossa la makambo ya bongo. Boli en bongo te. Pour qu'on fabrique autopsie, mon kobo ya toutes pièces. Soka aza mort d'une mort naturelle, mais rendez public. Alors, ceux qui vont fabriquer l'autopsie, mon corps, il y a vraiment, vous aussi, vous allez payer cher. Dieu vous verra. Nzamba komona nabino. Nzamba komona nabino, natanga pe moi ba commentaire, bande komo susu. Oya lobaki na zobanga, mais ba juge tout, ba komi traumatisé. Est-ce que, ekole kabia li susu? Au moins, ce qu'on ba question, ba congolais, ba zo se pose. Lelo bazana, inquiétude, mon corps, il y a recherche à vérité. Ba lobi liwa na ye, et traumatisé ba juge. Est-ce que procès est qu'on continue qu'aux alisous ou malamou? Yangon de tolobi pour la bajise et base à la traumatiser te autopsie mon kobo est crédible et salama pour la épaisse à assurance na ba juge au bako sa la continuité à procès. C'est ce que nous demandons. Nathan autopsie est à légal. Biso toza na pas si na motema et si. Et s'il est mort pour la, il est mort pour la République, Kende Konabiso est dit, Bokwala. Alobi, tout ça n'a pas ce maca, s'il est mort pour la République, Atiki Barfele, Banamike, ah, que la justice soit faite. Oumoni, souci à Congolais, n'y a pas de justice, et ça les mains. Atiki Barfelin, Atiki Moasi, Atiki Famille, Yamone toujours sengo autopsie, et ça les mains, mais Ezala y a solo, Ezala fabriqué de toutes pièces T. C'est ça! Tout en abakoma. Yo moutou, yala moukozo monate ke ma bunda akolingate basa l'autopsie. Naza moutou yala moukate, je n'ai jamais été moutou yala mouka. Nga ikoutoua, toza makambo ya parti politique te, ke o IDPS, o INC, MLC, non. Tozo solo la makambo ya président juge. Oyo apesi ba Congolais posa akolanda procès. Ndenga azala ki, ni na gauche ni à droite, abanaye ko garde lini moko boye, correct. Ne toza ko rendre hommage. Awa makambo ya parti politique ezate naza mutu ya lamuka te. Naza donc ici ku tutolo bela makambo ya parti politique te. Tozo lo bela makambo ya république. République va perdre fils digne du pays et la population exige l'autopsie claire, exacte, sans camouflage, sans tricage. C'est tout. Naza mutu ya lamuka te de konanga Calva Isoko. Jenne Kelvin, na lingyo mingi pe na pe sombote, mais na répondre yo. Ba juge, ba ke ba pe, na ba micro. Ndeko na biso ya lobi ke non,
ba juge ba ke bana ba micro eza pe conseil a pesi à s'exprimer eza ndeko na biso Arlette Bosange. Arlette Bosange nani message na ye leki bato ba ba juge bo sala attention na ba micro bo somba ba désinfecta avant yo sala micro désinfecté ango eza conseil na biso eza conseil ndeko na biso Arlette Bosange merci mingi oya lobby oui va love alobi poison na micro et belé bazolo ba ke ba poison eza na micro donc ba juge obozo landa to boko landa to soko eza na ndeko na yo aza na juge aza impliqué na procès oyo yebisaye asala attention na micro asomba désinfecta envoyé aloba azui a désinfecter micro eza conseil ya oui va love apesi alobi micro eza suspect ndeko na biso toto kemvo alobi na Nadal, attention, na ba micro. Bon, bah ça, l'attention, na ba micro. Merci. N'attends à moi, ba commentaire après. Tout ce qui ça, yo pe, le koutanzan, ba ça, la, a ça, li tatana yo. A tatana yo, diamba, yosilioni. Na melaka diamba te, de konanga tambe bonanga. Na melaka diamba te. Na ebite so ezande, nini donc, toujours rendre hommage. Na mototo koufisi yo, lobi na melaka diamba, de konanga. Jean Roger, na lingyo mingi, na kofinga ote, parce que moi, je suis bien éduqué. Déjà na live, oh biso toujours rendre hommage na personnalité moko boy importante. To banda ko finga na c'est trop ridicule. Donc ndeko nanga Joe Ilou Jean Roger, je t'aime beaucoup mon frère. Je ne prends pas du chanvre et je te pardonne. Au nom ya moto même to kufisi na limbisio pe na lingio mingi zamba zana yo abatila. Moi je n'insulte personne. Il faut toper sa valeur na moto biso to kufisi. Ce qui toujours le bas sujet na yeme komi ya ko finga na eza façon ya ko déshonorer. Yé, ils appellent façon à ridiculiser mémoire. Donc, moi, je n'ai pas le temps d'inciter les gens. Bake bape na ba micro. Donc, question à micro. Ils amis, Nekonanga, Chegar Kiete. Alobi Yoka. Yoka Zoba. Oyo. Merci, Mingo. Lobi Naza Zoba. Merci. Mais il y a des gens qui ont profité de l'éclaircissement. Nandenge na expliqué. Kakoufi Boyete. Kakoufi Nde Boye. Tu exiges autopsie. Tu exiges enquête. Et ça, je pense, ba te belé, ba sepeli. Mende Konanga, Chegar qui était à l'obin Zoba, merci. Moi, je n'insulte pas les gens. En plus, aux gens de Konanga congolais, pourquoi n'a finga yo? Hein? Lelo bonheur na yo, bonheur nanga. Pays soke ke liboso, ils ont intérêt à famille na yo, ya famille nanga. Et pour toute la République, ça ne sert à rien à finga de Konanga. Chegar qui était, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. J'ai pas l'état de t'insulter, ce n'est pas de mon éducation. Pendant le procès, wana Kongolo mouela, à l'obin pendant le procès, nous lui avons vu, il n'était pas malade. Mais nous demandons l'autopsie pour nous éclaircir sur sa mort. Donc, c'est une revendication légitime. Il y a un Nekonabiso Kongolo Mouela. À l'obi pendant le procès, nous ne l'avions pas vu malade. Nous demandons l'autopsie pour nous éclaircir sur sa mort. Nekonabiso Kongolo Mouela, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse. Message et l'équipe. Demande Eza Semoko autopsie pour nous éclaircir la population congolaise. Je vais prendre 2 minutes en attendant un commentaire. Après, on va arrêter. Ndekonabiso Noela, Nkula Lobi vraiment. Le micro aussi peut être empoisonné. Wana ba propos ya Kalinga, Chizika, Joniko. Ndekonabiso Kalinga Lobi et cause la ba micro. Donc, bon, mon majorité à Batobazo, le ba micro, micro, micro. Ozan Ndekona, aza juge na procès, oyo, yebisaye asa la attention. La majorité déjà à Bazo commenté que za micro. On va le savoir dans l'autopsie et Kosalema. Baro Kadi Kabamba. Tosenga renforcement à sécurité na prison Makal. Po eko ma clair que accusé Bakoki Kokima. Wana ndeko na biso nani Baro Kadi Kabamba lobi il faut sécurité za la renforcer na Makal donc Sylvano Kasongo peut-être okolanda émission auto ba proche na ba okolanda population ba Sengio mais c'est Sylvano Kasongo au renforcer sécurité na prison centrale de Makal po ba prisonnier ba kimate ba propos ndeko na biso Baro Kadi Kabamba merci beaucoup oya lobi ça va je vais vous oui ça va mon et ma sœur Likambo ya enquête izate eko likambo ya A pour A dan pour dan de konabiso Sonia Martin aloba enquête sale matezala liso na liso dan pour dan
Donc, mais pour yo ça la da pour dans l'isona lis, il faut y ba nani a sali pour se venger. Donc, pour y ba ko se venger, il faut na noyer bo terre ya elokoana. C'est pourquoi nous demandons l'autopsie et l'enquête en même temps, qu'il ne soit pas enterré sans que l'autopsie soit effectuée et que les rapports ou les résultats soient rendus publics pour pouvoir apaiser les esprits. Parce que ba congolais ba siliki oya lobi, tu suspectes qui, dis-le. Moi, je n'ai pas à commencer à suspecter les gens. Tout le monde est suspect, sans exception. Mais il faudrait que l'autopsie et l'enquête viennent nous préciser et déterminer. Donc, je ne peux pas citer aucun nom d'une personne tant que je n'ai pas de preuves. Sinon, ekozala nani diffamation, ekozala diffamation. Et ça poursuivre, et ça condamnable dans la justice. On ne peut pas se permettre, parce que tu as 200, 300 personnes qui te suivent, yo bandako kangabato bando qui sans moindre preuve. Il faut faire attention. Donc moi, je respecte la loi, je respecte l'état de droit incarné par le chef de l'État. On ne peut pas faire des accusations gratuites. Il faudrait attendre l'autopsie et l'enquête. Merci beaucoup, Ndekonanga. Masuima na répondre à la question na batier lié poison na micro bandeko tout balobi poison na micro. Nous avons promis d'allumer le feu et en fait il nous avait, ça c'est Mike Michael alobi, il nous avait promis d'allumer le feu, en fait le feu est allumé, mais en tant que vrai Congolais je réclame l'autopsie. Wana Michael, Mike Michael ndoyi nanga merci. Alobi keye a prometta ki mbo muta a prometta ki selon maître Koko Azalaki pembeni ya Vital Kamer. Alobi Vital Kamer alobi, si vous appelez ma femme, moi je vais mettre le feu na prison centrale ya Makala. Ba vidéo ezali eza ba propos nanga te. Alors elelo feu ango il s'est transformé peut-être na liwa ya juge. Ya monde ba congolais ba zo suspecté muta aloba ka kochi ba feu. Est-ce que fait en quoi on Memi juge na biso? Wana question oyo yande kuna biso Mike Michael. Je vais un peu descendre. Fais-moi signe hein, en privé. Bon, wana de kuna biso, on verra ça. Quelle désillusion. Bobo sanate que la communauté libanaise baza solo na kueliminer ba magistrat partout dans le monde. Wana ba propos en déconabiso Calvin Isoko, Jen Kelvin, alobito bo sanate ke ba congolais ba libanais baza makasi pona ko boma. Bon, ça c'est ba propos na ye, ça n'engage que lui. Donc bande koto sala, attention, c'est le conseil en déconabiso Calvin Isoko alobito sala, attention, merci beaucoup. Henriette Emmanuela Katina. Lendi tango nazotala ba juge baza a danger surtout na micro mutu nyosa azolo ba micro. Donc il faut tirer ninde kuna biso Peter Betu basala bongo pona basali, excusez-moi, basali bongo pona ko bangisa ba juge mususu. Donc ninde kuna biso Peter Betu alobi signe au juge oyo akufi ezapona ko bangisa ba juge mususu na affaire pe na procès oyo. Donc ba juge bokoya bo banga te bozala intimidé te, en plus bo sengo autopsie na enquête claire pona bozala rassuré, parce que sinon bokozala avec une boule dans le ventre bozo sala makambo na ko banga ne procès esili boye dans 48 heures dans 72 heures. Est-ce que na kozala toujours envie tona ko kufa? Ba juge, ba magistrat, bo exiger autopsie na enquête. Binonde ba faiseur de loi, binonde ba défenseur ya ba loi. Donc bino bozala en première ligne, parce que bo bungisi collègue na bino. Vous étiez avec lui lundi. Et même pour la solidarité, ya honorer mémoire ya collègue na bino, bo exiger enquête sérieuse, bo exiger autopsie. Ça c'est une recommandation que ba congolais tout bazo singa na ba juge. Oh, batikali na ba magistrat, ba sala attention. Merci, notre frère Peter B. Tout message na eleki. Oh, yo tete international mbouyi. Oui, tu as raison, merci ma soeur. Qu'il fasse attention à la climatisation de leur bureau, nous exigeons l'autopsie. Donc, il n'y a pas moyen que natanga 1000 commentaires, peut-être au 500 ou 1000 anglais et belé. Ba moussousou, on attend ba commentaires, te bolim bisanga, je ne vais pas aussi prendre trop du temps à parler la même chose. Vous allez vous fatiguer en disant que azozongela kai lokoka moko moko.
mais j'essayais aussi de lire ba commentaire pour la teka nga na pesa ki de nga metala tangi te on a tangi ba commentaire te vraiment bolimbi sangai. Je peux pas vous prendre en otage pendant des heures et des heures pour répéter la même chose. Gardons patience. Bo s'abonner na page nga Mike Tuanga officiel TV parce que na bami vous risquez parce que live to sala ki lundi j'ai reçu plus de 5000 demandes ya mi pour na procès à Vital Kamerhe. Facebook ne me permet plus qu'un andima parce que ma demande est le kebele. Vous risquerez de m'envoyer une demande, je ne saurais pas accepter. Ce qui bolingi ba vérité est qu'obima d'ici 48 heures, d'ici 72 heures, vous allez informer, vous que na page nanga kanet kombo nangeza me Mike Tuanga fils officiel TV, vous cliquez na j'aime. Donc ba live to kosa da 48 heures, da 72 heures par rapport na ba information to kozoa. Ce est toujours information te to kosa la pe live te. Parce que bénéfice à cause de la live et à l'okuta est zaté. Il n'y a pas un salaire derrière. Il n'y a pas une récompense derrière. Oyo tozo sala ezapona koto sa mémoire yande konabiso to kufisi. Donc, bo sa abonné na page nanga Mike Tuanga fils officiel TV, eza bloc personnel. Là, vous pouvez vous abonner même 10 000 personnes, 20 000 personnes, ça va passer. Mais à niveau à Facebook, soit au Tindelinga demande, na kondimate parce que je n'ai plus droit, on ne me permet plus parce que j'ai plus de 4000 demandes en attente. Hier, j'ai accepté plus de 2500 personnes. Ils m'ont dit même que je ne peux pas continuer à kondimaba demande parce qu'à 24 heures, vous acceptez 2500 personnes, ça fait trop. Ma demande tous les ans en attente, je ne peux pas accepter. Donc, bon, mes pages, nanga, pour na to partager ma nouvelle et à solo, oye kokoya, ndeko, na sepeli na live na yo. Félix, c'est. Combo et ambo kezan abréviation BGZ na sepeline de ko eza bien sokozo sala ozolo babande ko pe bazo sepela ponanga eza ke jijoana soki la se eza na maboko ya batu soki lisana ye soki liwana eza na maboko ya batu se ke eza complicité ya kamere na fati ah bon wana eza ba proprende ko na bisa lo bi soki akufi liwa moko boye que ou t'es pas batoto poisé sa complicité donc ça n'engage que son auteur ça engage que la personne ou ya oti kokoma mais nga pona ya ko affirmer nan abomie nan abotoli biso fils du pays na un moment inattendu il faudrait qu'il y ait des preuves autopsie et une enquête sérieuse si y en a pas ça moi je ne saurais jamais kokanga moto ndokito ko affirmer gratuitement que tel ou tel nda abomie mais par rapport à la promesse que je mettrai les faits, ne ezo sala ke ba tebele bazo boule, est-ce que auteur ya promesse wana te ne asali shit ya sima pona ande kuna biso juge wana kende po ba avocat ba bandai ko se plaindre ka bandai ko pesa plus de temps na ba avocat à République ministère public ke ba avocat à défense donc y a eu côté na bango une sorte d'injustice et pas juge ou ya kufi lelo est-ce que bango nde ba en vouloir ye ou pas. Autopsie et l'enquête nous dira clair et nous donnera des éclaircissements. Nous connaissons la mentalité des Congolais, c'est sage d'avertir le prochain juge inconnu, surtout dans les pays comme le nôtre, où les gens vivent dans la précarité, la corruption est toujours envisageable. Diriger, c'est aussi prévenir. Nous, peuple congolais, nous prévenons la prochaine équipe. Donc, Ndekonabiso Oyo Azokebisa, Poliana Bachamabe. Poliana Batobalandio Azokebisa, nouvelle équipe qui basa l'attention pour la corruption, parce que la population va vivre dans la précarité. Donc, nous faisons passer le message. Merci beaucoup. Mais ce que c'est Pelissabino Botiamo Bakker, partagez même une seule fois dans Mirnayo. Pour la tous la possibilité. Dans 72 heures, ceux qui t'ont vu par information, il y a solo, t'as collé quatre ça la live. Mais ceux qui battent bazo partager, t'es baza qu'on émette, on n'aura pas la possibilité de faire ce genre de live. Facebook va nous bloquer. Donc, beau essayer qu'on partage, t'as qu'on aime, t'as qu'on like. C'est simple, bande de konangai. Oyeza, t'es qu'un akozo ba million derrière, mais t'as une opportunité à qu'on s'échanger. Ne bazo pe sa ba vie na bino. Sinon, zo tanga. Balibanais, mutuba bomiye. Jamais service ya renseignement na biso et surveille ka cette communauté wana ndeko na biso Calvin iseko aloba ki pe ototanga ki alobi eza ba libanais de baza ko empoisonné pe service ya renseignement na biso
ba permet na zomona bato bazosa ba demande pour na ko intervenir à live. Donc je ne sais pas votre opinion, je ne sais pas vos informations en possession. C'est difficile de vous faire passer directement. Vous risquerez de dire des choses qui ne sont pas dans le chemin et qui ont blessé Patomoussous. Alors, je rendre hommage spécial na président juge Raphaël Yani Ovungu Oya Tikibiso. Tolingi ba conflité, tolingi ko finganate. Prochainement, ba o baza ba information, baza sûr que ça ba information vraie et certaine. Boko melanga na message na Facebook. Après ça, na zosa abou na oki ko invité yo ou intervenir. Mais comme na yebi contenu à information na yote, c'est difficile parce que vous risquerez de dire des choses qui sont pas dans les chemins et ça, ce n'est pas mon rôle. Il y a qu'à faire diffuser une information fausse ou inexacte. Donc Bolimbisanga na ba demande bozosa la pour na ko intervenir directement. Kamere qui a tué président juge. Voilà ba propos ya Thierry Matubanzila. Bon, soko za ba preuve, Dieu merci. Au tin de langa en autant que toko sa l'émission musu to la ça ba batoka vitel caméra nda bomier, il faut des preuves. Il faut pas tenir des propos qui n'accompagnent pas avec des le propos qui sont pas accompagnés de preuves. Donc je peux pas dire ça, mais ba o et c'est ici ba ngona moi ba to musu ba aimé, Dieu merci. Nous sommes un peuple lâche. Rien ne va dans notre pays. Les gens décèdent comme des cafards. Du côté du gouvernement, silence. Radio Ezamawa. Ndekonabiso nono Masungi. Alobi pays moko boye lâche. Batobazo koufa na présidence neti ba cafard. Hein? Biso toutou ebi ba cafard, mais silence radio. Donc, monsieur le président, Ndekonabiso nono Masungi. Alobi, silence ezo renye côté à présidence. Bandeko bazo koufa tozo e ba causité. Monsieur le président, réveillez-vous. Rendez un peu. Au Congolais, il y a éclaircissement à Batubazo Koufa. Est-ce qu'ils ont corona yango? Est-ce qu'ils ont poison? Est-ce qu'ils ont nini? Oh, baliwa et komine tiso kinde ni na présidence. Lele est comme kolonga na présidence et comme il faut attaquer ba juge. Oh, bazo sambi sa procès symbolique. Un procès symbolique. Ba juge va comme okende. Donc, monsieur le président, veuillez un peu expliquer aux Congolais disparition Oyo et commis massive la présidence. Et ça dû à quoi? Et ça dû en quoi au Batobazo Koufanet Ibanzinzi, la présidence de la République? Mais c'est le président, toujours il a droit de réponse, même à travers votre ministre de communication, à mekako éclairci peuple congolais. Na ba poto a ceux qui deux trois personnes Bakoufi, président Koleka, a Sengi Basa l'enquête, un moussoussou. Premier ministre à se rendre sur place, excusez-moi, pour n'abaye ba cause pourquoi ba citoyen ba zo koufa. Monsieur le président, ça là est fort, oye bisa peuple congolais, pourquoi ba to ba zo koufa neti ba nzinzi na présidence de la République? Pourquoi et comment? Les Congolais ont droit à l'information et à l'éclaircissement. Merci Nono Masungi, message na yeleki. Bavon Mwamba, il faut être souple na ba avocat. Merci beaucoup. Aimé Awazi, vraiment tu as bien parlé mon frère, merci. Aimé Awazi, merci, j'ai bien parlé, mais partagez. Ce qui n'a l'oubli malamou, tu as ta bakker, tu likez vidéo, parce que karaté dans moins d'une minute, tu as kata. Réveillez votre conscience, peuple congolais, trop c'est trop. Ndekonabiso triple boss, hein? Trois fois boss, triple boss à l'oubli. Population congolaise, boss se réveiller pour toujours koufanet, iba soso. Donc réveillons-nous, nous le peuple congolais, petit peuple, toujours souffrir. Message Eliki, FCC toujours au boulot. Museveni, James Ruben, il y a lobby FCC, Zamusala Nabango, et ça va propos naé, ça n'engage que lui. Merci mon frère. Et Papa Tshisekedi, tu as demandé une autopsie. Papa Tshisekedi, akufa na poto, autopsie normalement et salama mais baranda en public té parce que déjà bandaki koya azobela azala qui déjà âgé poussani en même temps ayaka na vol médicalisé pour na ayaka zo traitement na ayaka ko koufa liwa ya papa Etienne Tshisekedi est complètement différent na président juge na biso o lundi azala qui bien lobe azala qui mardi lela koufi. Il faut savoir différencier les choses. Donc ndeko nangai Masumwa ma na pesio réponse na yo bango mi balé façon ba koufé les andenge mon côté. Vraiment vraiment que Dieu vous bénisse, merci.
Gamiel Tete, alobi zamba pambolanga, merci. Oui, alobi vraiment. Tiens, Owandi, ok, di kambole. Bon, je ne vais pas parler à Tete ici. Je ne vais pas blesser d'autres personnes qui ne connaissent pas les Tete là. Je vis, il y a quelqu'un qui nous a écrit en Tete là. On ne va pas lire ça pour laisser que mon tout au kalolenge mon corps. Liberté provisoire pour Vital Kamerhe. Liberté en gros, tozo, linga en gros, qui a acquitté. Va payer sa liberté provisoire. Mais tant que le procès continue, azana na makala. Pona est perturbé ma solote. Wana réponse oyo et engagé ngali kolo ya ba église et zangatina. Nazo zo ba pe nezo sale 4. Donc je vais vous libérer. Rendez-vous dans 72 heures. Lorsqu'on aura l'information, quand même pris du temps et j'ai des appels qui entrent zo mekako 4. Bo aimé vidéo, bo aimé page nanga Mike Toanga fils officiel TV. Pona dans le prochain Zéro, partager. Merci. C'est Pélissi Binozamba, Pambola Binozamba, Batela Bino. Que Dieu vous protège. All the people that follow this interview, be with you. I love you all. All the Congolese, all my brothers and sisters, let my God bless you. Take care. Let meet again. Maybe in 2 weeks. Take care. Please take care. Protégez-vous. Soyez en bonne santé. Pleurons ensemble. Rendons un hommage vibrant à notre héros qui est parti. Vraiment un hommage digne. Je vous laisse. Je vous dis bonne journée chez vous. Bon après-midi chez vous. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Merci. Ciao, ciao. Et à bientôt. Que mon Dieu. À bientôt. Ciao, ciao.